Nous sommes soumis à la pression de la performance et de la réussite. La faiblesse, la maladie et les handicaps sont considérés comme des obstacles. Même dans l'Église, nous ressentons parfois cette pression. Que nous sommes censés être parfaits, aimer toujours. Mais Jésus dit qu'il aime aussi nos faiblesses. Il est lui-même devenu faible pour nous sauver. Ne vous culpabilisez pas. Acceptez vos limites. Cela vous aidera à être sensible aux autres et à laisser plus de place à Dieu. Thank you.